Là, c'est le grand-père que je surprends parce qu'il n'aime pas qu'on le filme. Mais là, il ne sait pas ça pour le moment. Il ne sait pas que je suis en train de le filmer. Là, maintenant, c'est la tante qui compte faire un peu de bruit pour le grand-père. Mais lui me semble pressé parce qu'il doit aller dans son champ. Et là, c'est le vieux, toujours, il est dans sa tenue de chant. La tante fait tout pour le retenir, pour ne pas qu'il parte au champ avant le petit déjeuner. Donc elle est obligée de le persuader, de le distraire en fait avec des histoires pour qu'il puisse rester. Et là, la maman qui lave la assiette, c'est l'une des femmes du vieux, qui s'appelle Mofu. Si j'entendais la tante parler de Mofu souvent, c'est elle qui est là. Thank you.
Voilà le vieux qui est couché dans son hamac. Vous n'y allez quoi? C'est à quoi il parle? Lui, c'est mon vieux père Diago Père. Le seul des 22 enfants.
Tu nous vois. Oh ouais. Très bien. Je donne poulet à mon mari et puis je demande pardon. Je demande pardon à mon mari. Je donne poulet. J'ai donné manger à mon mari le soir. Ton chéri là, comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Voilà. C'est tout.
Le vieux qui se repose à l'homme et ses petits enfants qui mangent. Voilà ma vieille qui découpe la viande du soir et qui va, elle va essayer de préparer pour nous. Voilà le chef de la famille. Son vélo. Son pango. Voilà. En ce même. Thank you.